Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers parents, chers adolescents, chers enfants, nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. Nous sommes dans la deuxième partie de la biographie de l'imam Ali, paix sur lui, le bienfaisant envers les enfants, en plus particulièrement envers les orphelins. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin, partagez-la et abonnez-vous. Malgré la désignation explicite du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, de Ali comme successeur après la mort de notre prophète, peu de gens respectèrent les dernières volontés du prophète. Suite à cela, l'imam Ali garda le silence pendant 25 ans, car des musulmans en secret, en l'absence de Ali, se réunirent dans un endroit appelé Saqifa pour s'emparer du pouvoir. Après les trois califes, l'imam Ali accepta le califat. Ses années de calife furent marquées par des batailles contre ses ennemis. Peu de temps après la mort du messager, paix et salut sur lui et sur sa famille, Fatima Zahra, la femme de Ali, ne tarda pas à subir des injustices, perda un bébé nommé Mohsen lors d'une attaque chez elle à la maison faite par les fidèles soi-disant musulmans. Elle tomba malade, souffrant de l'absence de son père et de l'injustice de la part des musulmans envers son mari et ses enfants. Elle mourut peu de temps après et fut lavée et enterrée en secret par son mari, l'imam Ali. L'imam Ali s'est vu contraint de choisir une épouse afin qu'elle puisse prendre soin de ses jeunes enfants devenus orphelins et qui avaient encore besoin d'attention vu leur jeune âge respecté. Le plus grand des enfants était Al-Hassan, qui avait à peine 7 ans et quelques mois, et Al-Hussein aussi, qui était plus jeune que lui de 6 mois, puis viennent Zainab et Kultoum, la cadette. L'imam Ali épousa Fatima bint Huzam, on l'appelait aussi Ummul Banin, la mère des quatre garçons. L'imam Ali a été cloîtré dans sa maison, privé de tout moyen d'action. Cette période qui a commencé le jour du décès du prophète jusqu'au moment de son califat. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu pour tous ses bienfaits et louange à Dieu. Que Dieu prie sur Mohammed et sur sa famille dépouillée de souillure. Après l'assassinat du troisième calife dans la mosquée du messager de Dieu, les compagnons se sont concertés au sujet du calife. Certains d'entre eux ont suggéré de nommer l'imam Ali. Ils ont insisté sur ses mérites, son courage, sa combativité et ses qualités allant jusqu'à le préférer à tous les musulmans de son époque, voire à tous les musulmans et les non-musulmans de tous les temps. L'imam Ali finit par accepter en imposant que ce ne sera pas fait en cachette, mais devant tout le monde dans la mosquée. C'est ainsi qu'une immense foule prêta l'allégeance à Ali. Celle-ci a eu lieu le vendredi 18 Zul-Hijja en l'an 35 de l'Hégire. La première rectification qu'il a faite, c'était de partager équitablement les capitaux du trésor public entre les musulmans. Il est monté sur le mamba après avoir remercié et fait l'éloge de Dieu. Il a dit, tout homme ayant répondu à Dieu et au messager qui a cru en nous, qui est entré dans notre religion et s'est dirigé vers notre Qibla, bénéficie des droits de l'islam et de ses limites. Les gens se sont écriés de tous côtés, Seigneur Dieu, nous sommes satisfaits et nous obéissons à ton prophète et à son cousin Ali. L'imam Ali a ordonné que l'on commence le partage par les immigrés, puis les partisans et ensuite toutes les personnes qui se sont présentées sans exception. Certains se sont sentis lésés et frustrés. Ils ont donc décidé de se venger en semant la zizanie et la discorde entre les musulmans.
l'imam allait respecter et pratiquer exactement le livre de Dieu. Il n'avait pas besoin de conseils de qui que ce soit, car tout se trouvait dans le Coran et aussi dans la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Un des musulmans a dit devant tout le monde, « Si tout le monde s'opposait à Ali, je ne m'opposerai pas à lui. Ma main restera dans la sienne parce que Ali est avec la vérité depuis que Dieu a envoyé son prophète. J'atteste qu'il ne convient à personne de lui préférer quelqu'un. » L'imam Ali dit, le pacte de notre prophète est encore présent entre nous, et celui qui n'en est pas satisfait, qu'il fasse ce qu'il veut. Certes, celui qui travaille dans l'obéissance de Dieu, celui qui juge suivant le jugement de Dieu, n'a rien à craindre. L'imam Ali mena un combat à Bassora avec une fabuleuse possession d'hommes armés et organisés. Il avançait avec la quiétude et la sérénité. L'imam Hassan à sa droite, l'imam al-Hussein à sa gauche et son autre fils Muhammad ibn Hanafiya qui portait l'étendard. Son sacrifice la nuit de la migration, après avoir ordonné aux musulmans de quitter la Mecque pour Médine pour leur sécurité, le saint prophète a reçu l'ordre de migrer lui-même, comme cela fut recommandé par Dieu. Il demanda à Ali de se coucher sur son lit alors qu'il quitterait la maison. Bien que l'imam Ali fût conscient du risque qu'il encourait d'être tué à la place du saint prophète, il n'hésita pas à suivre quand même l'ordre de Dieu. Le complot couraïchite qui constituait à tuer collectivement le saint prophète échoua. En reconnaissance pour le sacrifice de Ali, Dieu révéla le verset où il dit « Et il y a parmi des gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément de Dieu. Et Dieu est compatissant envers ses serviteurs. » Sourate Bakara, verset 207. Beaucoup de gens à la Mecque confiaient leurs biens au saint prophète en raison de sa renommée d'homme honnête. Même ses ennemis se fiaient à lui. Après son départ pour Médine, il chargea l'imam Ali, la seule personne en qui il avait confiance, de remettre les biens à leur propriétaire. Il avait aussi chargé d'amener sa propre famille à Médine, la députation du saint imam au Yémen. Le saint prophète avait envoyé Khalid bin Walid aux gens de Bani Jazima au Yémen afin de les convertir à l'islam. Mais Khalid outrepassa ses ordres et leur fit la guerre même lorsqu'ils avaient adopté l'islam. Afin de réparer les torts causés par Khalid, le saint prophète envoya l'imam Ali au Yémen. L'imam Ali aborda doucement les gens et les compensa pour leurs pertes en offrant plus qu'ils ne demandaient. Grâce à ses discours, il permit la conversion du Yémen en entier à l'islam et il ne retourna à Médine qu'une fois assuré de la fermeté de la foi des gens. Enlever les idoles de la Sainte Kaaba, après la conquête de la Mecque, le saint prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, décida d'enlever toutes les idoles placées par les Mécois dans l'enceinte de la Sainte Kaaba. Il ne pouvait pas atteindre certaines d'entre elles et il choisit de demander à l'imam Ali de monter sur ses épaules et de détruire les dernières idoles. Le porte-étendard à Khaybar. Durant la bataille de Khaybar, les musulmans ne parvenaient pas à conquérir l'un des forts juifs, malgré plusieurs tentatives de différents commandements, alors que l'imam Ali avait une infection à l'œil, le prophète a déclaré « Demain, je donnerai l'étendard à quelqu'un qui est aimé par Dieu et par son apôtre. Il ne fuit pas la bataille et ne reviendra pas tant que Dieu ne l'aura pas conduit à la victoire. » Les musulmans attendirent impatiemment le lendemain, chacun voulant être choisi. Le lendemain, le prophète appela l'imam Ali et lui restaura la vue en lui frottant les yeux de sa salive. L'imam Ali se rendit ensuite à la bataille avec un tel courage que nul ne pouvait le résister. Il ne retourna pas avant d'avoir capturé tous les forts
il souleva la porte de Khaybar et apporta la victoire aux musulmans. Vous parlez de Superman, vous parlez de Spider-Man, de Batman, de Hulk, qui sont des héros juste imaginaires. L'imam Ali, lui, était un vrai héros, un héros véridique. La remise des versets du Saint-Coran à la Mecque, le Saint-Prophète envoya un document contenant les 40 premiers versets de la sourate Tawbah par un musulman à la Mecque pour qu'il le lise pendant le Hajj. Mais l'ange Gabriel, paix sur lui, vint voir le Saint-Prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, et lui dit « Allah vous envoie ses salutations et aimerait que les versets ne soient remis que par vous ou un de vos apôtres. » Le saint prophète envoya aussitôt Ali sur un chameau rapide afin qu'il rattrape le musulman et récupère les versets. Ainsi, l'imam Ali accomplit la tâche de réciter les versets qui comprenaient un message important pour le peuple de la Mecque, à savoir que les musulmans ne toléreraient plus les idolâtres. Puis, enfin, sa nomination à l'imam Ali à Gadir comme par le prophète Mohammed qui fut cité précédemment dans la vidéo 1. On peut citer deux événements qui sont arrivés à l'imam Ali pendant la prière. Alors qu'il était prosterné, la pointe d'une flèche fut arrachée de son pied sans qu'il ne s'en rende compte. La deuxième, de même, alors qu'il était incliné, il fit attention à un nécessiteux qui était entré dans la mosquée pour demander la charité. Tout en continuant sa prière, il lui indiqua sa bague pour qu'il la prenne. Là, une affirmation et là-bas, une négation. Toutes les deux dans le cadre de la vision de l'adoré. Tout cela montre que les actes d'adoration de l'imam Ali étaient des actes d'adoration gnostiques et spirituels. Certains adorent Dieu par convoitise, c'est l'adoration des commerçants. D'autres par crainte, c'est l'adoration des esclaves. Enfin, ceux qui adorent Dieu par remerciement, c'est l'adoration des hommes libres. Narjil Balara. Je ne t'adore pas par crainte de ton feu, ni par convoitise de ton paradis, mais je t'ai trouvé digne pour l'adoration, alors je t'ai adoré. Bihar al-Anwar. Les exemples suivants de sa vie montrent quelques aspects de sa personnalité dans la bataille de Jamal. En plein combat, le serviteur de notre imam, appelé Qamba, apporta une boisson fraîche en disant « Maoula, mon maître, le soleil est très chaud et vous avez combattu constamment. Rafraîchissez-vous par cette boisson. » L'imam Ali a répondu, « Puis-je me rafraîchir quand autour de moi des centaines et de personnes sont allongées sur le sol, blessées et mourant de soif? Au lieu de m'apporter une boisson, servez-en à quelques hommes blessés. » Qambar dit, « Ils sont tous nos ennemis. » L'imam Ali répondit, « Qamba, soit, mais ce sont des êtres humains. Assistez-les. » L'imam Ali avait deux serviteurs, Qamba et Saïd. Après le martyre de notre imam, Qamba dit qu'il avait très rarement l'opportunité de servir son maître Ali. Il dit que l'imam lui-même faisait tous ses travaux, même laver ses propres linges, les raccommoder si nécessaire. Il tirerait lui-même l'eau du puits. L'imam leur donnait de la bonne nourriture et linge alors que lui-même mangeait et s'habillait modestement. C'est seulement après son martyre que le monde put savoir qu'il s'occupait d'un lépreux, le visitant chaque jour, le nourrissant et soignant ses plaies. Quand le lépreux a appris la mort de l'imam Ali, il mourut sur place. Durant la guerre, aucun ne pouvait rivaliser son courage et son expertise. Il fut le héros de toutes les batailles de l'islam. Le système de la classe sociale que les califats présentés ont essayé d'installer, il a dû faire face à une forte opposition et fut finalement martyrisé durant le mois béni de Ramadan. L'imam Ali dit,
Demain, vous reverrez mon temps et mes pensées profondes vous seront révélées. Alors vous me reconnaîtrez après que j'aurai quitté ma position et un autre aura pris ma place. L'imam Ali. Après la bataille de Nahwan, quelques ennemis restants, les Kharijites, se sont réfugiés à la Mecque. Qui sont les Kharijites? Ce sont eux qui croient que tous les croyants sont de la même position et qu'aucun ne doit exercer une autorité sur un autre. Ils ont bâti leur credo avec aucun jugement sauf celui de Dieu. Ils croient qu'il ne devrait pas y avoir d'imam ou de calife et aucune allégeance ne doit être formulée vers un être humain. Ils se sont formés après la bataille de Siffin où ils ont blâmé l'imam Ali d'accepter un jugement humain et donner une chance à l'ennemi Muawiyah de se redresser. L'imam Ali leur a indiqué qu'ils étaient dans leur erreur, car eux ont refusé de continuer à se battre contre Muawiyah quand ils ont vu le Coran sur les lances et qu'ils n'avaient plus le choix que de rappeler Malik al-Ashtar qui était sur le point de gagner une victoire complète. Plus tard, ce sont eux qui ont contraint l'imam Ali d'accepter un arbitre. Pour cela, ils ont admis leur culpabilité et ont dit qu'ils se sont repentis et que l'imam Ali devait faire de même. L'imam a dit qu'il n'a commis aucun péché de sa part. Les Kharijites qui avaient fui vers la Mecque et voulant venger leur mort tombée à Nahwan ont comploté l'assassinat de l'imam Ali. Muawiyah et Amr bin As, les trois les plus décidés d'entre eux, se sont portés volontaires. Ibn Muljam pour tuer l'imam Ali, alayhi salam, Burq bin Abdullah pour tuer Muawiyah et Amr bin Bakr pour tuer Amr bin As. Ils ont choisi le 19 Ramadan pour leur forfait en jurant qu'ils accompliraient leur mission ou qu'ils périraient. Burq bin Abdullah, à son arrivée à Damas, le jour convenu, a mis au point son plan pour poignarder et tuer Muawiyah. Mais son arme s'est glissée et Muawiyah fut seulement blessé. Burq fut attrapé, torturé et tué. Amr bin Bakr en Égypte est allé tuer Amr bin As. Mais ce jour, Amr bin As ne vint pas à la mosquée et avait envoyé son représentant pour conduire la prière. Celui-ci fut tué. Ainsi qu'Amr bin Bakr. Ibn Muljam arriva à Koufa comme prévu. Là, il tomba amoureux d'une femme appelée Koutam qui l'haïssait. L'imam Ali, paix sur lui, son père et frère ont été tués pour l'islam. Elle était très belle et accepta de se marier avec Ibn Muljam. Sur trois conditions, 3000 dirhams, un esclave mâle ou femelle, la mort de l'imam Ali. Même si Abdurrahman est venu à Koufa pour tuer Ali, ceci stimula sa détermination. Koutouam, pour aider Abdurrahman, a demandé à deux hommes de sa tribu de l'assister. Le 19 du mois béni de Ramadan, l'imam Ali, paix sur lui, avait prophétisé sa mort plusieurs jours auparavant. Le prophète l'avait également prophétisé et avait dit « Ô Ali, je vois devant mes yeux ta barbe couverte de sang de ton front. » Quand Ali quittait la maison le matin du 19 du mois béni de Ramadan, les oiseaux domestiques ont commencé à faire un grand bruit. Lorsque le serviteur est venu les calmer, l'imam a dit « Laissez-les tranquilles, car leurs cris sont les lamentations sur ma mort très prochaine. Quand il est arrivé à la mosquée de Koufa pour ses premières prières du matin, il réveilla tous ceux qui dormaient là, et également Ibn Muljam. Ibn Muljam inclus qui dormait à plat ventre, cachant son sabre empoisonné. L'imam lui dit qu'il était mauvais de dormir face à terre et qu'il avait un sabre sous ses vêtements, qu'il allait l'utiliser pour de mauvaises intentions.
Puis Ali fit le Aden, l'appel à la prière, et se mit à conduire la prière. À la première raka, alors qu'il était en prosternation, il a été frappé sur la tête avec le sabre empoisonné par Muljam, qui causait une profonde blessure. Dans la confusion, Ibn Muljam s'est enfui. L'imam a fini sa seconde prosternation et demanda à l'imam al-Hassan, paix sur lui, de déterminer la prière et de terminer sa prière. Il prononça les mots « Fustu wa Rabbil Kaaba » « Le Seigneur de la Kaaba m'a couronné de succès ». Le meurtrier fut attrapé et emmené devant l'imam Ali. Quand l'imam l'a vu, les cordes attachant Ibn Muljam trop serrées, il ordonna qu'elles soient rendues moins serrées et dit aux musulmans de le traiter humainement. En entendant cela, Ibn Muljam commença à pleurer. L'imam Ali dit, « Il est trop tard pour se repentir. Est-ce que j'étais un mauvais imam ou un gouverneur injuste ?» Il a ordonné qu'Ibn Muljam ne soit pas torturé. L'imam a été emmené chez lui et quand il a vu la lumière du jour, il dit, « Ô jour, tu pourras témoigner que jamais de la vie, de ma vie, tu ne m'as trouvé endormi alors que tu te levais. » L'imam mourut 2 jours plus tard, le 21 du mois béni de Ramadan, succombant à la blessure. Il fut inhumé à Najaf par l'imam al-Hassan alayhi salam et l'imam al-Hussein, paix sur lui, en Iran. L'imam Ali était très bienfaisant envers les enfants, en particulier envers les orphelins. S'il voyait un orphelin pleurer, il arrêtait tout ce qu'il faisait, se baissait et saluait l'enfant. Il essuyait ses larmes, les larmes de ce petit être, mettait sa main sur l'épaule de l'enfant et disait, « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a-t-il blessé? Viens, laisse-moi te ramener à la maison. » L'imam emmenait l'enfant et le traitait mieux que tout père. Il apportait des sucreries, des gâteaux et du miel et s'occupait lui-même de nourrir l'enfant par ses propres mains. L'imam Ali avait pour habitude de dire à ses partisans, ses compagnons, d'aimer et d'être bon envers les orphelins, spécialement les orphelins des martyrs morts sur le chemin de Dieu. Ils ont perdu leur père bien-aimé, disait-il. Remontez-leur donc le moral et prenez soin donc d'eux comme un père. Leurs pères sont tombés en martyrs dans le jihad, dans la bataille pour le bien de l'islam. Ils ont donc des droits sur vous. Rendez leurs âmes heureuses avec vous en réclamant, en acclamant leurs enfants et prenez soin d'eux. L'imam Ali était toujours attentif, en particulier. Il avait pour habitude de les visiter, s'asseoir, discuter et jouer avec eux. Il avait pour l'habitude de prendre soin de leur éducation et de leur formation. Il s'efforçait de résoudre leurs difficultés et leur offrait toujours la guidance ainsi que les conseils. Il leur apportait des cadeaux et s'ils étaient pauvres, il prévoyait leurs dépenses. L'imam Ali était si bon et dépensait tellement d'efforts pour eux dans ses enseignements et ses actions que l'un des compagnons un jour dit « Comme j'aimerais moi aussi être un jeune orphelin afin de recevoir la bonté et l'amour de Ali. Aimez et soyez bon envers les enfants, spécialement envers les orphelins. » L'imam Sadiq, paix sur lui, dit « Ali avait l'habitude de déclarer « Je suis le guide et le bien guidé, je suis un père pour les orphelins, une aide pour les venus et les pour les veuves et les démunis. Je suis le refuge des pauvres et des faibles et un asile pour tous les peuples opprimés. » L'imam Ali alayhi salam dit « Celui qui prend en charge les soins des orphelins est favorisé aux yeux de Dieu. Celui qui prend soin des orphelins, ses enfants seront pris en charge. Celui qui oppresse un orphelin a rompu ses liens avec ses enfants. Ô Ali, qu'ont perdu les orphelins lorsque tu as été frappé par Ibn Muljam avec son épée
empoisonné. L'imam Ali, après la prière du matin, un jour, sort de chez lui à la recherche de son gagne-pain journalier. Jusqu'à la prière de midi, il ne trouva rien. Il se dirige vers un vendeur de chameaux, lui demande du travail. Le vendeur ne pouvait savoir qu'il était l'imam. Vu le visage masqué contre la tempête de sable, lui dit « Tu me laves ce que tu peux de mes bêtes et à chaque tête, je te paie une date. » L'imam accepta, lava 18 chameaux, reçut 18 dattes comme salaire. À la tombée de la nuit, il entra chez lui, donne à son épouse Fatima, la fille du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, et lui dit « Mange et fais manger les enfants. » Quelle grandeur ! N'a-t-il pas dit « Il est plus facile de porter une montagne sur le dos que de tendre la main. Autant il est délicieux le miel venant de la sueur du front, autant il est amer venant d'une main tendue. Avant d'être imam pour les autres, sois l'imam de toi-même. » Et quand le prophète le nommait premier imam de l'islam, il savait bien qu'il était l'imam, lui qui avait dit « Après moi, ma communauté aimera cinq, oubliera cinq. Ils aimeront la créature, ils oublieront le créateur. Ils aimeront l'argent, ils oublieront le compte. Ils aimeront l'illicite, ils oublieront le licite. Ils aimeront le mal, ils oublieront le bien. Ils aimeront les châteaux, ils oublieront les tombes. Ô imam de tous les temps, toi qui as porté le lourd fardeau du Saint-Coran, de sa littérature, de sa grammaire et de toutes ses sciences, toi que nul dépasse dans le domaine du courage, de l'amour, de la justice et de l'assistance, toi la porte de la cité du savoir, porte qui s'ouvre sur mille autres et chacune d'elles sur mille autres, toi que tous les savants réunis n'ont pu déchiffrer, qui es-tu ? Et comme l'a si bien dit le messager, paix et salut sur lui et sur sa famille, ô Ali, tu es mon messager, ne t'aimera que les pieux, ne te détestera que les hypocrites. Comment ne pas aimer Ali, lui qui s'est retiré plus de 20 ans pour éviter un bain de sang entre les fidèles, lui le seul gouverneur qui inspectait les marchés contre la chèreté et les produits périmés, lui le seul qui a laissé comme héritage une natte de prière et son chapelet. Qui prie sur Ali, prie sur Mohammed, qui prie sur Mohammed, priera au paradis. » Après le martyr de l'imam Ali, paix sur lui, les gens se sont rendus compte que l'homme qui venait leur apporter la nourriture secrètement chaque nuit était l'imam Ali. Il donnait toujours tout ce qu'il pouvait à ceux qui en avaient besoin. Les dernières volontés de l'imam Ali avant sa mort, l'imam Ali, dans son testament à ses fils, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, après le coup de l'épée d'Ibn Muljam, il dit « Soyez conscients de Dieu et inébranlables dans votre religion. N'aspirez pas au monde et ne vous laissez pas séduire par lui. Ne soyez pas irrités par quelque chose que vous y avez manqué. Proclamez la vérité, travaillez pour le prochain monde. Opposez-vous à l'oppresseur et soutenez les opprimés. Je vous conseille, ainsi que tous mes enfants, mes proches et quiconque reçoit ce message, d'être conscient de Dieu, de supprimer vos différences et de renforcer vos liens. J'ai entendu votre grand-père, que la paix soit sur lui, dire « La réconciliation de vos différences est plus digne que toutes les prières et jeûnes. » Craignez Dieu en ce qui concerne les orphelins, faites attention à leur nutrition et n'oubliez pas leur intérêt au milieu des vôtres. Craignez Dieu dans vos relations avec vos voisins. Votre prophète vous en a souvent parlé, à tel point que vous avez pensé qu'il leur donnait une part d'héritage. Restez attachés au Coran. Personne ne devait vous surpasser en étant résolu à le faire ou plus sincère en le mettant en œuvre. Craignez Dieu par rapport à vos prières, c'est le pilier de votre religion.
Craignez Dieu par rapport à sa maison. Ne l'abandonnez pas tant que vous vivez. Si vous le faites, vous abandonnerez votre dignité. Persévérez dans le jihad, le combat pour la cause de Dieu, avec votre argent, votre âme et votre langue. Mettez la communication et l'échange d'opinions entre vous. Méfiez-vous de la désunion et de l'inimité. Haine. Ne vous découragez pas de promouvoir les bonnes actions et de mettre en garde contre les mauvaises. Si vous faites cela, le pire d'entre vous serez vos dirigeants et vous invoquerez Dieu sans réponse. Ô enfant d'Abdul Muttalib, ne versez pas le sang des musulmans en disant « l'imam a été assassiné ». Seul l'assassin doit être condamné à mort. Si je meurs de son épée, tuez-le d'un coup similaire, ne le mutilez pas. J'ai entendu le prophète, paix et salut sur lui, dire « ne mutilez même pas un chien enragé ». Non seulement on ne pouvait pas l'arrêter sur le champ de bataille, comme on l'a dit auparavant, mais il apprenait aussi à ses amis et ses ennemis comment se conduire en guerre. Sa bravoure s'étendait à son commandement général des gens. Il n'hésitait pas à dire ou à faire quoi que ce soit pour défendre la cause de l'islam, peu importe l'adversaire. Il ne tuait pas quand il était énervé. Le saint imam maîtrisait parfaitement la langue arabe. Du temps où les autres s'emparèrent injustement du calife, il s'occupait à écrire divers livres. Il compila le Saint-Coran et fixa les règles de syntaxe ou de grammaire en arabe. Certains de ses écrits et discours se trouvent dans le Narjul Balagha, la voie de l'éloquence, qui comporte les meilleurs exemples de l'éloquence en arabe. Pour aimer l'imam Ali et être un partisan de lui, l'imam dit que le saint prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, me dit que seuls les croyants m'aimeront et les hypocrites me haïront. Ainsi, un des moyens de juger de la foi d'un musulman est d'examiner ses sentiments à l'égard de l'imam Ali. Lorsqu'on interrogea Salma, une des femmes du saint prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, à propos de l'imam Ali, elle répondit « J'ai entendu l'apôtre de Dieu dire qu'Ali et ses partisans seraient les vainqueurs. » Le saint prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, dit un jour « 70 000 personnes de ma communauté entreront dans le paradis sans punition à leur égard. » Puis il se tourna vers Ali et dit « Ce sont tes partisans et tu es leur imam. » Une autre fois, le saint prophète dit à l'imam Ali, « Moi et toi, nous avons été créés d'un morceau d'argile. Il en restait une partie et Allah en a fait nos partisans. Le jour de la résurrection, tous les gens seront appelés par le prénom de leur mère, excepté tes partisans. Ils seront appelés par les prénoms de leur père en raison de leur digne naissance. Une fois, lorsque le saint prophète était avec un groupe de musulmans, il leur dit « Ô peuple de Ansar, inculquez à vos enfants l'amour d'Ali ibn Abu Talib. Quiconque l'aime saura qu'il est bien guidé et quiconque ne l'aime pas doit savoir qu'il est dans l'erreur. Qu'Allah nous réveille aux côtés de l'imam Ali, paix sur lui le jour du jugement. » Que la paix soit sur l'arbre de la prophétie, le grand arbre élevé, hachimite, illuminé, portant les fruits de la prophétie, décoré de l'imama et sur tes deux compagnons de la tombe, Adam et Nour, paix soit sur eux. Que la paix soit sur toi et sur les gens bons et purs de ta maison. Que la paix soit sur toi et sur les anges t'encerclant, s'empressant autour de ta tombe. Ô mon maître, ô prince des croyants, ô Ali, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.